Voilà. On va se calmer un peu. On va calmer un peu la machine, c'est pas grave. Je réchauffe à la fin de la vidéo. Juste pour vous raconter quelques petites aventures de ce mois d'août. Commençant bien sûr par la première semaine de vacances, donc chez mes parents. Et on va passer tout de suite à la deuxième semaine. Mon voyage. Mon voyage, après le confinement, après le Covid, j'ai été faire un tour du côté de Vichy. Voilà, Vichy, mon amour. Le fameux slogan du tourisme vichysois, avec bien sûr la petite boîte de pastilles Vichy. Les mini pastilles du bassin de Vichy à la menthe. Voilà, ces pastilles permettent d'améliorer la digestion grâce aux sels minéraux chargés en bicarbonate. Et c'est bien sûr très sucré. Voilà, sucre origine France, émulsifiant, sel de magnésium, d'acide gras, sels minéraux extraits des eaux du bassin de Vichy, arôme menthe, évidemment, il faut qu'il y ait un bon goût, sirop de glucose, voilà, une petite boîte de 50 grammes. De pastilles Vichy. Alors évidemment, j'ai pris bien sûr une bouteille de l'eau de Vichy. Voilà, donc j'ai. Bon, j'en ai pris un. Ils sont tous. Il y en a un de 50 grammes et un autre de 70 grammes avec bien sûr. Regardez, je vous mets de plus près. Voilà. Regardez le magnifique décor sous forme de. Vichy. Ah oui. Le tissu Vichy bleu, les petits carreaux bleu blanc. Voilà. Ah pardon. Ouais, bien sûr. Ceux-là, c'est les commerciales. Et j'ai la version touristique. Voilà. Après, j'ai pas que ça, hein. vous avez aussi, bien sûr, par rapport à l'eau de Vichy, vous avez le petit coffret avec deux petits verres de Vichy. Voilà. Qu'est-ce que j'ai aussi de Vichy? Donc, j'ai le sac, bien sûr. Mais j'ai aussi, par exemple, voilà. Regardez. La même chose, mais en rose. Vous voyez? Ça, c'est pour essuyer les lunettes. Voilà, une petite lingette pour les lunettes. Et donc, le fameux sac en tissu siglé Vichy, mon amour. Ah oui, là, il n'y a rien, pardon. Vichy, mon amour. Voilà. Sur un seul côté. Alors, Vichy, ça, c'est fait. Vichy, petit train touristique. Bon, c'est impossible à le faire. Le petit train touristique, il y a trop de monde, trop de touristes. Et il y a donc les fameuses lumières. Les lumières en bourbon, sur le bourbonnais. Les lumières sur le bourbonnais, c'est donc. Ouais, je vous mets hop là l'affiche ici. Des illuminations nocturnes. Les illuminations nocturnes, c'est donc Bourbon-l'Archambault, Châtel, Montagne, Commentry, Neris-les-Bains, Vichy et bien sûr. Cette année, comme nouveauté, bien sûr, il y a QC, Montluçon et Moulins. C'est de mai à septembre 2022. C'est des projections de la tombée de la nuit jusqu'à 23h30. Dès que la nuit tombe, il lance les projections qui se répètent, bien sûr. Des boucles d'une vingtaine de minutes. En mai, juin et septembre, ce sont les jeudis, vendredis et samedis soirs. Les jeudis, vendredis, samedis soirs en mai, juin et en septembre et pendant la période estivale en juillet ou en août, c'est tous les jours, jusqu'à minuit, jusqu'à 23h30 minuit par là. Donc les lumières bourbonnais, lumièresbourbonnais.com, si vous voulez savoir en savoir plus. Voilà, donc Bourbon-l'Archambault, Châtel-Montagne, Commentry, QC, Montluçon, Neris-les-Bains et Vichy. Voilà, et un exemple avec Moulins. Moulins, c'est bien sûr, Moulins, ça tourne autour d'une certaine malcoiffée. Au cœur du quartier historique de Moulins, le château des Ducs de Bourbon
et son donjon de la malle coiffée retrouvent toute leur splendeur sous le feu des projecteurs. 5 siècles après sa disparition, il accueille à nouveau Anne de France, figure majeure de l'histoire de France et de l'Europe. Le spectacle inventif part à sa rencontre et réinterprète les passions de cette femme d'influence du XVe siècle. Connue également sous le nom de Anne de Beaujeu, dans un esprit libre, il illumine son amour pour les arts, voyage dans le temps à travers la Renaissance italienne et flamande, puis prend le temps de flâner dans des jardins envoûtants. Le show transcende le temps. Grâce à une technique parfaitement maîtrisée et le soin apporté à la bande-son, il rend accessible une histoire sublimée que toute la famille aimera partager. Voilà. Et donc vous avez donc sur le site internet donc les différentes histoires que chaque spectacle présente. C'est donc sur le site www.lumièrebourbonnais.com. Sur ma page Facebook, bien sûr, vous trouverez quelques photos de ces spectacles en images. Pour Vichy, j'étais en train de regarder mes tracts. Donc Vichy, c'était ma première étape. Avant d'arriver à Vichy, j'ai commencé par... Alors du coup, j'ai même pas trié les... D'accord, et ça c'est OK. Alors donc, avant d'arriver à Vichy, bien sûr, je suis passé à Thiers. Alors à Thiers, est-ce que c'est ça? Non, ça c'est pour plus tard. J'ai pas encore tout bien rangé dans mes affaires à souvenir, mais voilà. Voilà, donc Thiers aussi, c'est dans le Puy-de-Dôme. À Thiers, dans le Puy-de-Dôme, la coutellerie. Là, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Voilà, j'ai juste fait une petite balade. J'ai fait une petite pause casse-croûte, évidemment, à midi. Ah, à Thiers. Oui, juste un petit truc. Voilà. À Thiers. Vous pouvez trouver un personnage de dessin animé à Thiers. Ils ont mis un personnage. Boum. En format presque réel, en format presque un peu réduit. Eh oui. Quel est ce personnage du dessin animé qu'on retrouve sur un rond-point à Thiers dans le Puy-de-Dôme? Je donne la réponse dans quelques minutes. Pour Thiers. On reviendra à Thiers à la fin de cette séquence. Mais on va quand même continuer à parler de l'Allier. Je vous ai parlé bien sûr du spectacle Bourbonnais, évidemment, que j'ai pu voir à Vichy, Moulins, Montluçon. Donc, après avoir visité bien sûr Vichy, évidemment, avec son lac, le fleuve, les ponts, le magnifique palais des congrès Tutti Quanti, j'ai passé à une autre étape, à l'étape suivante. L'étape suivante. En commençant par un petit objet. Alors, un petit objet mystérieux. Alors, un petit objet mystérieux. Alors, je vous présente ce petit sachet. Regardez ce petit sachet. Souvenir. Voilà, avec marqué dessus Moulins, capitale des Bourbons. Et dedans, il y a quelque chose dedans. Minutes, dans quelques petites secondes même, parce que je vais quand même vous présenter les deux autres objets. Des objets qu'on peut trouver évidemment, où ça? Ben à Moulins donc. Voilà, regardez, l'objet magnifiquement décoré, avec une magnifique image de Moulins. Et en fait, c'est un miroir de poche. Voilà, je vous mets pas un petit miroir de poche. Voilà, ça peut faire pour les femmes et pour les hommes aussi. Voilà. Et ensuite, il y a deuxième objet, cette petite boîte en plastique. Toujours avec, bien sûr, le logo de le logo des Bourbons, le symbole des Bourbonnais de Moulins. Et ça,
c'est un truc génial. Un distributeur de petits papiers de savon. Des petits papiers de savon. C'est du savon jetable, en fait. Voilà. Ça sera à vous de les couvrir à Moulin. Voilà, ce petit objet. Voilà, donc normalement, ça doit s'ouvrir. Voilà. Bon, ça sent un peu le savon. Ça sent quelque chose. Hein. Je ne l'ai pas encore testé, mais je le testerai bientôt. Voilà. Et donc, on revient à cette petite pochette. Pochette en tissu avec le petit cordon qui referme dans ce petit sachet. Je l'ouvre. Petite ouverture. C'est un truc, bien sûr, qui est très utile actuellement pour l'environnement. Ce sont des ustensiles en bois. Voilà. Bon, après, j'ai pas vraiment testé le couteau. Hein, regardez. Le couteau. Voilà. Les petits picots. J'ai pas encore testé le couteau, mais il y a quand même la petite cuillère. Enfin, grande cuillère. Et la fourchette à trois dents. Voilà. C'est sympa pour faire des petits pique-niques écolo. Des petits pique-niques écolo, donc, avec ces trois ustensiles pour faire des pique-niques sympathiques. Avec, bien sûr, la petite pochette de transport. Hop. Hop. Hop là, la petite pochette de transport qu'on met dedans et qu'on referme pour pas les perdre. Voilà, Moulin. Alors, Moulin. Qu'est-ce que je peux vous dire de Moulin? Alors, des infos sur Moulin. Avec un petit truc sympa, c'est un truc que j'ai pas pu faire. Parce qu'il y a quand même des... C'est quand même une visite guidée, c'est à Moulin, on peut faire ça. Le musée de la visitation. Musée de la visitation, donc c'est des collections permanentes de broderies et étoffes précieux, peintures et enluminures, créations artistiques et orfèvreries, bijoux. Voilà, donc ça c'est donc le musée de la visitation à Moulin. Donc, des visites accompagnées dans 6 salles, des visites guidées dans 6 salles. Voilà, et ça dure en moyenne de 40 à 1h15. Si vous voulez en savoir plus, évidemment. Voilà, sur la fameuse réserve de textiles que propose ce musée de la visitation. Mais ça, bien sûr, vous l'y trouverez à Moulin. Et en fait, à Moulin, vous avez plein d'autres trucs à découvrir. Vous avez par exemple le Centre National du Costume de Scène, le CNCS. Le CNCS, c'est deux espaces d'exposition, l'un qui est permanent, qui est dédié à Rodolphe Nureyev, et l'autre qui est consacré aux expositions temporaires. Petite info actuellement. Dans ce Centre National de Costumes de Scène, vous avez bien sûr l'exposition consacrée à Molière, les costumes de Molière, les costumes des pièces de théâtre de Molière. Vous avez donc le musée de la Visitation, vous avez donc le musée Anne de Beaujeu. Voilà, donc ça c'est un peu le musée du Petit Louvre. Voilà, certains guides ont qualifié le musée de Petit Louvre. De nombreuses collections à découvrir, donc égyptologie, archéologie, histoire de la famille de Bourbon, sculpture médiévale, sculpture et art décoratif. Celui-là, je ne l'ai pas pu le faire également. Voilà, vous avez également à Moulin, donc le château des ducs de Bourbon, visite guidée à certaines heures de la journée. Visite de la visitation, c'est visite accompagnée. Le triptyque du maître de Moulin, c'est un chef-d'œuvre début du XVIe siècle représentant une Vierge en gloire et les donateurs, Pierre et Anne de Bourbon. Cette peinture qui n'a jamais été restaurée présente 5 siècles plus tard un éclat exceptionnel, donc à découvrir avec bien sûr un guide.
Vous avez également le musée de l'illustration jeunesse. Le musée de l'illustration jeunesse à Moulins. Un musée qui est consacré à l'image dans le livre de jeunesse à travers une collection d'œuvres originaux du 19e siècle à nos jours. Avec donc actuellement une exposition temporaire consacrée à Mario Ramos. Voilà. Et pour le CNCS, pour le costume de scène, ce sont bien sûr Molière en costume. Et en début d'année, c'était des costumes de carnaval, de Rio. Vous avez également le musée Mantin. Le musée Mantin, donc un véritable voyage dans le temps, c'est découvrir l'univers de Louis Mantin. Voilà. Voilà, c'est un c'est une habitation bourgeoise du 19e siècle. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a aussi le petit musée du bâtiment. Regardez, le petit musée du bâtiment avec actuellement une exposition temporaire qui est consacrée au vélo. Voilà, hop là, hop là, quand c'est flou, voilà, est-ce que ça peut, voilà. Voilà, et donc c'est le musée du bâtiment. C'est un musée donc qui concerne le bâtiment unique en France. Il accueille tous les corps de métier du bâtiment au travers de collections aussi variées qu'étonnantes et d'expositions temporaires mettant en valeur le riche fond du musée. Et c'est donc une exposition sur les techniques et les engins insolites autour du vélo. Voilà, et c'est jusqu'au 30 septembre. Au musée du bâtiment, donc à Moulins. Bah, vous trouvez toutes les infos, bien sûr, Facebook, Instagram et YouTube. Voilà, j'ai presque fait tout le tour. Et vous avez également, bien sûr, à 25 minutes de Moulins, à une demi-heure de Moulins, vous avez, bien sûr, le village de Bourbon-l'Archambault, avec le château de Bourbon-l'Archambault, évidemment. J'ai pas pu le visiter. Voilà. Voilà donc ce qu'il y a autour de Moulins. Avec ce charmant petit sac sur les fromages d'Auvergne. Voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste? Ben, il ne me reste plus que Montluçon. Voilà. Regardez, belle image de Montluçon. Montluçon donc au cœur de la vallée. La vallée du cœur de France, avec dans cette ville un musée. Regardez, le musée de la musique populaire. Et oui, le MUPOP. Le MUPOP, c'est tout simplement un parcours musical et instrumental sur différentes époques. Voilà, avec le fameux petit guide qui vous expliquera tout sur cet magnifique endroit. Voilà, toute la musique pop du 18e siècle aux années 90. Avec donc une expo événement qui dure jusqu'à la fin de l'année, consacrée au son du rock des 70 dernières années, avec les fameuses guitares, cultissimes guitares, les monstres sacrés l'utilisent, cet instrument, Led Zeppelin, Eric Clapton, ZZ Top, David Bowie ou encore les Sly. Et c'est un musée pour tous, incontournable dans l'Allier, évidemment le MUPOP, du son à Montluçon. Je disais que c'était bien sûr un parcours musical. Il transporte dans l'ambiance de différentes époques, hein, déco, des objets de chaque époque. Le monde rural, les fanfares, le bal musette, le virage électrique, la pop expérience ou encore les années 80. Voilà à peu près les différents univers. Le rural, les fanfares, la musette, l'électro, la pop et les années 80. Dans ce musée, bien sûr, la musique est en liberté. Capturez-le au vol, grâce à un système ingénieux. Mais je vous en dis pas plus.
Et ça permet, monsieur, d'entendre 150 points d'écoute. Vous pouvez écouter 150 musiques. 150 musiques qui va d'un univers à un autre de façon totalement libre, de faire, d'écouter ce que vous avez envie, bien sûr, et vous avez donc jusqu'à 150 musiques à écouter dans ce magnifique musée de la musique populaire. Voilà. Avec bien sûr des démonstrations, enfin plein de trucs. C'est quand même un musée de 3300 mètres carrés, la plus grande collection de France d'instruments et objets musicaux dévoile ses secrets au cœur de la cité médiévale de Montluçon et du jardin Wilson. Le musée a d'abord été créé en 1959 au château des Ducs de Bourbon à Montluçon. Le conservateur du musée donc acquiert une importante collection de vielles à roues dans les années 60. Et voilà, il perçoit son fort potentiel identitaire. La collection de cornemuses de Jean-Michel Renard vient enrichir le musée au début des années 90, qui, au fil de ses expositions temporaires, s'oriente vers d'autres musiques populaires électro-amplifiées. Par exemple, bien loin que le Bourbonnais, le musée devient trop étroit pour accueillir ses nouvelles ambitions. Voici qu'en 2013 naît le Mupop. À quelques pas du château, il fallait cet espace de 3300 mètres carrés et une grande étude pour rendre hommage à ces musiques populaires qui ont pris une place si importante dans le quotidien pendant des générations et qui témoignent des changements de notre société comme le fond de référence au niveau national. Il s'agit de la plus importante collection d'instruments et objets musicaux de France, le Mupop. Oui, c'est une petite facilité, évidemment, musique populaire, mu-pop, musique, pop, populaire, donc mu-pop. Mu-pop, musique, muséum, Montluçon. Et ensuite, j'ai fini mon petit chemin par un petit passage sympa, familial, à Clermont-Ferrand, avec, bien sûr, un petit crochet pas loin, avec le plateau de Gergovie. Mais ça, c'est une autre histoire, évidemment, l'histoire de Gergovie, Bertrand Gitoris, les Romains, les Gaulois, tout ça avec un petit musée, une petite balade sur les hauteurs de Clermont-Ferrand, donc le musée du plateau de Gergovie, pas loin de Clermont-Ferrand, évidemment. Voilà. Maintenant, vous me dites que derrière moi, il y a du blanc. Et que cache cette magnifique page blanche ? Eh bien, on vous le dévoile.